Adeline Tounayouti, la professeure de chant de la 10e édition de la Star Academy, a révélé ce que le directeur Michael Goldman exige de tous les professeurs. Les portes du château de Damary-les-Lys se referment bientôt pour les élèves et les professeurs de la Star Academy. Anisha, Enola, Léa et Louis profitent de leur dernier jour avant le prix très particulier diffusé samedi 26 novembre qui annoncera le grand gagnant de la 10e édition de l'émission. Les finalistes chanteront pour la dernière fois aux côtés d'artistes incontournables de la scène musicale française, Nolwenn Leroy, Lara Fabian, Christophe Maé, soprano et Michel Polnareff. Ils chanteront également pendant cette ultime soirée avec Robbie Williams, le parrain de cette édition. Cette semaine est riche en émotions pour les élèves mais aussi pour le corps enseignant, dont Adeline Tounayouti qui a récemment dévoilé être agacée par les remarques fréquentes de Michael Goldman. Adeline Tounayouti agacée par les remarques de Michael Goldman. Adeline Tounayouti et leur ballon, professeurs d'expression scénique, ont confié lors d'une interview à Pure People que les professeurs de la Star Academy reçoivent comme les académiciens des directives du directeur Michael Goldman. Michael, on a un petit dossier. Si est-il qu'il est toujours en train de nous dire qu'on doit être plus sévère, ont-elles confié. Et cette remarque récurrente est loin de faire l'unanimité au sein du corps enseignant puisque la professeure du chant n'a pas hésité à lui faire remarquer que leurs situations sont différentes, mais lui, il ne les a jamais en cours. Alors je lui ai dit, ah ça suffit. Nous, on les a en cours. A-t-elle raconté. Les larmes d'Adeline Tounayouti pendant le dernier cours de chant. Adeline Tounayouti s'est beaucoup attachée aux élèves au fil des 6 semaines de diffusion. Elle a même fondu en larmes pendant son dernier cours avec les finalistes en leur déclarant « Je vous aime très fort. Comptez sur moi à l'extérieur. » La professeure de chant dont la vie a beaucoup changé depuis le début de l'émission ne révélera toutefois pas son favori assurant, « Je les aime tous. » Point, chez chaque personne, je vois le potentiel. Je sais qu'avec mes conseils, on peut vraiment renverser la tendance. Et ça peut être assez impressionnant. Je serai vous, je ne parierai pas trop. À lire aussi ça m'effraie un petit peu, Louis, Star Academy 2022, évoque la fin de l'aventure et le retour à la réalité.